Côte d'Ivoire Énergie est la société à qui l'État de Côte d'Ivoire a confié la responsabilité du développement de son secteur de l'électricité depuis 2011. À ce titre, elle assure la planification de l'offre d'énergie en vue de la satisfaction de la demande. La maîtrise d'œuvre des travaux qui relèvent de la responsabilité de l'État et le suivi des mouvements d'énergie et la gestion des flux financiers du secteur. Les principaux défis sont liés à la réalisation à court, moyen et long terme de l'adéquation entre l'offre et la demande d'énergie. Face à une demande d'électricité en forte croissance, dans un contexte marqué par des exigences environnementales et sociales très poussées. Pendant ces 10 dernières années, Côte d'Ivoire Énergie a permis à notre pays de se doter de plusieurs infrastructures majeures, dont entre autres un barrage de 275 MW, un nouveau dispatching national construit à Yamoussoukro. En outre, plus de 4000 localités ont été électrifiées, portant le taux de couverture nationale à 80% contre 33% en 2011. L'accès à l'énergie est un facteur déterminant pour l'attractivité d'un pays. À ce titre, Côte d'Ivoire Énergie est un acteur clé dans le processus d'amélioration de cette perception. Aussi, pour la réalisation de ses ambitions, Côte d'Ivoire Énergie conduit actuellement environ 7300 projets répartis en 19 programmes pour un coût d'environ 2250 milliards de francs CFA, dont la mise en œuvre nécessite l'accès à des financements peu onéreux sur le marché financier local et international. De ce fait, Côte d'Ivoire Énergie accorde un intérêt particulier à cette conférence organisée par l'agence de notation Bloomfield, car le risque pays impacte la qualité des emprunts auxquels nous pouvons avoir accès.